Bonjour les internautes et bienvenue sur la chaîne de Cristal. J'espère que vous allez tous bien pour ceux qui me suivent dans ma chaîne de Cristal. J'espère que le confinement se passe bien pour vous et votre famille. J'espère que vous prenez soin de vous et de votre famille, ceux qui me suivent sur ma chaîne de Cristal. Voilà. Donc je voulais vous montrer, donc aujourd'hui ça va être une petite vidéo que je vais vous faire sur le matériel. Donc je vous montre en fait, comme j'ai pas encore tout reçu malheureusement. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu mes vidéos des livres de coloriage. Donc là, c'est les premiers. Voyez? Et j'ai l'intention d'en commander ou d'en acheter des autres. Voilà. Et du matériel aussi. Voilà. Donc là, je vous montre. Je sais pas en fin de compte. Je l'ai tourné, mais je vais vous la mettre en ligne très bientôt. Attendez, juste que là, ce qu'il y en a deux qui sont en train de se mettre. Voyez, sur YouTube. Voilà. Pour continuer, et après à un moment donné ça va s'arrêter, donc parce qu'à l'instant je suis en train de montrer tous les deux coloriages, à un moment donné ça va s'arrêter et vous aurez, hop, on passe à matériel. Voilà, une fois que vous aurez tous mes livres, tout matériel, je fais une méga grosse vidéo donc sur tous mes livres de coloriage et sur tout matériel de scrapbooking ou de coloriage comme vous voulez. Voilà, donc là je vais juste vous parler de ça. Donc c'est des feutres Faber-Castell, donc voilà, je vous montre de plus près. C'est des Faber-Castell en feutre. Moi je crois que c'est des crayons couleur. Non, c'est juste pour faire le visage en fait. Donc ça c'est spécialement pour faire le visage, et je sais qu'il en existe des tonnes et des tonnes pour faire des paysages, pour faire je ne sais trop quoi encore. Donc je testerai et je vous dirai si c'est bon ou pas. Rien qu'avec le nom déjà, la marque déjà, ça a l'air d'être super génial. Ce que je voulais, enfin pas spécialement tester ça, mais les crayons couleur, oui, je voulais tellement tester les crayons couleur, oui, voilà. Donc c'est pour vous dire. Ouais, donc ils sont vraiment magnifiques, hein. Il y en a, je crois il y en a 6. Voilà, il y en a 6 couleurs pour faire le visage. Donc à chaque fois que vous voulez faire le visage, vous prenez cela. C'est spécialement pour le visage. Oh, j'ai pas dû les payer très cher. Je sais plus, 13 €, 12 €, 7 €. Ah, bref, je sais plus très bien combien j'ai payé. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. On va retourner ça. Feutre, les Faber-Castell. Feutre, les Faber-Castell. Je sais pas quoi seront envie de faire. Feutre, les Faber-Castell. Yeah, ça avait commencé à me le faire. Faber-Castell. Voilà, donc je vais vous dire directement le prix, combien ça coûte. Donc, attendez que je retrouve. Ah, attendez que je le retrouve. Alors que je le retrouve. Ça m'a coûté la bagatelle de. Ben alors là, j'ai même plus à remettre la main dessus. Ça, c'est génial. Ah voilà, ça m'a coûté 16 €. Donc une petite boîte comme ça de 6, 16 €. Mais bon, c'est de la marque aussi. Hein. Et maintenant, j'ai décidé de. Ça faisait tellement longtemps que je les voulais, les crèmes couleurs. Et que là, j'ai les feutres. Voilà. Donc une boîte de 6, vous allez dire, oui, mais c'est cher. Une boîte de 6 à 16 € machin. Mais c'est de la marque aussi. Hein. Parce que maintenant, moi, je vais aller dans le coloriage vraiment pour adultes, vraiment du luxe. Voilà. Donc je vais regarder les tutos, je vais regarder les machins.
Bien, mais tiens, on va faire tel collage-là, on va commencer à le faire comme ça, comme ça, comme ça, avec telle chose. Bah, j'aimerais bien l'avoir. Voilà. Et donc, je voulais revenir sur un petit point aussi. Les Posca. Ça va me coûter un bras. Tout le monde me dit que ça coûte un bras et que c'est pas si incroyable que ça. Hein, et qu'il y a un dérivé des Posca. Et qui coûte deux fois moins cher. Donc, une fois que je saurai lesquels que c'est, tout ça, bah oui, j'aimerais bien avoir les avoir. Voilà. Moi, si je peux en prendre une grosse trousse. Des genres de Posca, mais la sous-marque, oui, moi ça ne me dérangera pas. Donc voilà, 16 euros. Après, vous en avez tellement pour faire des trucs comme ci, comme ça, vous voyez. Mais enfin, on les a trouvés à 16 euros. Voilà. 16 euros, c'est quand même pas donné. Voilà. Vous allez me dire que. Mais ça, c'est des trucs de luxe. C'est pas de la camelote que je vous montre. J'avais tellement envie. J'avais tellement envie d'avoir des crayons de couleur. Et moi, je pensais que ça allait être des crayons de couleur. J'ai pas fait gaffe, c'était des feutres en fait. Parce que c'est quand j'ai rosé, j'ai dit, ah maman, ça, je me retrouve avec des feutres. Pas grave. Hein. Voilà. Pas grave, tout, voilà. Mais après, je vois qu'il y en a. Donc, dans cette. Vous en avez pour faire des paysages, vous en avez pour faire je sais plus quoi, vous en avez que des noirs. Que des noirs à pointe biseautée, enfin, à différentes pointes, à différentes machins. Donc, oui, ça c'est vraiment intéressant. Voilà. Mais donc là, je vais vous montrer aussi la mine, parce que je ne vous ai pas montré aussi ça, voilà, aussi. Il y en a qui veulent voir aussi la mine, parfois aussi. Voilà, je vais en prendre un au hasard. Un au hasard, voilà. Et je vais vous montrer la mine. Vous voyez, c'est une mine... Je sais pas si vous la voyez bien là, mais c'est vraiment une mine pinceau. Hein. Franchement, c'est vraiment une mine pinceau, franchement. Donc, j'espère qu'ils seront très bien. J'espère qu'ils seront très très bien, j'espère. Parce que je me dis, même si ça coûte pas. Enfin, pour vous, vous dites ça coûte cher, mais pour moi, non. Voilà, moi. C'est vrai que si, c'est vrai que c'est pas. Voilà. C'est vrai que j'aurais mieux préféré payer. Vous savez, pour un tout petit peu moins cher, on peut se permettre de se payer des livres de coloriage. Hein. Vous avez ça en coloriage mystère Disney. Je vais payer 12 euros, enfin 12,90 €. Hein. Donc voilà, vous voyez. Donc en fait, c'est une mine B 1,5 mm. Donc vous voyez, c'est vraiment fine, fine, fine de chez fine. Les mines. Hein. Trop, trop bien. Donc voilà. Donc voilà quoi. Je vous ai montré ça. Voilà. Donc, la vidéo, elle parlait juste de ça, voilà. Mais bon, après, quand vous allez voir tout l'ensemble, parce que là, je fais tout en détail vu que je les reçois au fur et à mesure. Voilà. Mais quand je vais tout recevoir, ou pouvoir t'aller tout m'acheter, vous allez voir que oui. Voilà. Mais je veux des trucs de luxe. En fait, je veux, en fait, comme je l'ai déjà, je sais pas si je l'ai déjà dit pour les crayons de couleur, en fait, je voulais essayer trois grandes marques de luxe pour les crayons de couleur. Je fais trouver pareil en feutre dans la même marque et tout ça, mais avant une marque que c'était des maintenant ils le font peut-être plus maintenant. Voilà, et moi ça serait très intéressant pour moi d'essayer. Voilà. Maintenant, je vous dirai pas, mais je pense que j'ai fait une petite, je sais pas comment vous dire ça, mais je pense que j'ai fait. Bon, bref, je vous montrerai la vidéo d'après et là je vais vous expliquer parce que je pense pas que c'est ça. Voilà. Sur ce, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Parce que j'aime pas trop que ça dure tellement. Trop, trop, trop longtemps, mes vidéos. Voilà, comme vous savez, les amis. Sur ce, je vous dis. Toujours, je vous dis et je vous le redirai. J'espère que le confinement se passe bien pour vous et votre famille. Prendre des soins de vous et de votre famille pendant le confinement et après le confinement. Pour qu'il n'y ait plus de confinement. Voilà, si chacun fait un petit effort, on va y arriver. Voilà, et que le confinement, et que tout ça, le coronavirus et tout ça là, sera derrière nous. Voilà, sur ce, n'oubliez pas de liker, partager, de commenter, d'activer la cloche pour recevoir toutes mes dernières vidéos. Aussi, voilà, et de, bah, et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo de la chaîne de Crystal.